Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi le 3e avril de cette année de 2024. Le jour d'aujourd'hui, c'est le jour pour la conférence de presse réalisée par le gouverneur fiscal et son cabinet dans l'état de vêtements des États-Unis. Disant cela aujourd'hui, le gouverneur fiscal se trouve accompagné par deux membres de son cabinet gouvernemental du gouvernement de l'état de vêtements des États-Unis. Eric Farrand, le directeur de la division pour la gestion des incidents d'urgence au Vermont. Heather Pelham, la femme commissaire du département de tourisme et marketing au Vermont. Toutes ces personnes se sont associées à cette conférence de presse pour vous parler de ce qu'il faut savoir concernant ce qui se passera lundi de la semaine prochaine, le 8e d'avril de cette année 2024. Ça sera le jour pour une éclipse de soleil. Ça sera le jour d'une éclipse de soleil. Matière rare, un phénomène naturel et rare qui va se dérouler une nouvelle fois de telle façon que les résidents de l'État de Vermont des États-Unis pourront l'observer en tout temps, puisque l'État de Vermont des États-Unis est l'un des États qui se trouve dans le chemin de passage de cette éclipse de soleil. Quand elle va faire son apparition dans l'État de Texas des États-Unis et qu'elle va continuer son chemin de passage jusqu'à l'État de Maine des États-Unis durant lundi de la semaine prochaine, le 8e d'avril de cette année 2024. Disant cela, d'après le rapport, on me dit que toutes ces personnes du gouvernement de l'État de Vermont des États-Unis voudraient que tous les commerces, y compris le commerce de tourisme au Vermont, puissent tirer le meilleur possible parti de cette occasion concernant une éclipse de soleil pour en retirer du revenu. Celui qui veut leur faire du bien et qui veut aider l'économie générale de l'État de Vermont des États-Unis à la fois. En disant cela, encore faut-il dire que d'après les paroles de ce directeur, le directeur de la division pour la gestion des incidents d'urgence au Vermont, on me dit que ce directeur voudrait vous conseiller de vous aviser de ce qui se passera concernant l'embouteillage routier et les encombrements des gens qui vont voyager à des endroits propices durant lundi de la semaine prochaine pour observer cette éclipse de soleil. C'est-à-dire, la division pour la gestion des incidents d'urgence au Vermont se trouvera en mesure de se faire ouvrir au niveau maximum durant lundi de la semaine prochaine, le 8e d'avril de cette année 2024, afin de pouvoir répondre aux besoins des résidents et des touristes immédiatement et d'une manière efficace.